Xavier Combe, who's going to be your French voice. So. Thank you for having me on the show. On est super. Thank you for coming. Merci d'être venu de Tina. Ouais. Alors, Anton, vous avez choisi ce soir de jouer les folk songs. Pourquoi? When I was a child, seeing somebody like the Beatles play, there was nothing that influenced me to. J'ai vu jouer les Beatles. I could play music like et that. Et il y a rien qui me laissait penser que je pouvais faire de la musique. C'était le fait de voir des gens normaux faire de la musique qui m'a inspiré. Donc c'est la musique folk qui m'a inspiré. C'est pas tellement les grands rockstars inaccessibles. So it's a part of me as much as anything donc, else. La folk music, ça fait partie de moi. And to me, even punk rock music et is folk music. Même music le punk rock, pour moi, c'est de la folk, c'est pareil. Oh yeah, punk music, folk. It was for the young people at that time, the à energy. L'époque,
l'énergie, c'était la même. Like you didn't have to be technically proficient, you techniquement, just got c'était pas la peine d'être trop à l'aise, on se rassemblait, on faisait de la musique ensemble, voilà, c'était tout. C'est très intéressant, la dernière chanson que vous avez interprétée, ça s'appelle Battle of Armageddon, par Hank Williams Sr., qui était une figure incroyable dans la musique country, et puis une figure un peu, pas un loser, mais quand même, il avait des gros problèmes. Il est moins jeune d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous touche dans cette chanson qui est assez religieuse d'ailleurs ? As you said, he did die tragically young, and he abused drugs and alcohol. Jeune, like he was very very shy to play. Il aimait bien l'alcool, il aimait bien la drogue. Il était timide comme moi. Il aimait bien prendre des risques. Would just walk away. Il allait à la radio, puis au plein milieu de l'émission, il se barrait. But there was another side to him, mais from his upbringing, il y avait un autre deeply religious aspect chez Hank Williams. Il était très mystique. Il a écrit cette chanson pour sa mère, il chantait à l'église, mais c'était un petit peu comme un Kurt Cobain. Vous voyez, c'était le Kurt Cobain de la country à l'époque, avec un côté mystique. Et le reste, il est mort un peu comme Kurt Cobain. Oui. Alors aujourd'hui, vous vivez à Berlin. Est-ce que la vie est plus douce à Berlin ou en Europe qu'en Californie, par exemple ? It's different. I don't speak German. La vie est différente. Je ne parle pas allemand. The German culture is so like to themselves. Culture allemande est très repliée sur elle-même, mais on se sent en sécurité. Mon bébé est en sécurité. À ce stade de ma vie, je peux vraiment me concentrer sur ma musique, m'occuper de mes affaires. C'est une société très polie, très respectueuse les uns des autres. Il y a beaucoup d'enfants. Donc ça me fait du bien. C'est incroyable parce que tout à l'heure, avant. Les balances, vous m'avez dit quelque chose qui m'a frappé, c'est que quand vous jouez de la musique, vous avez d'autres musiques originales qui viennent dans votre tête. Et je me demande comment faites-vous c'est d'avoir tout ça dans la tête et quand même continuer à jouer comme ça. I don't know. I have no real answer. Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question. Whenever my body is engaged in lorsque something, mon corps fait quelque chose, si je me sens à l'aise, je suis libre de penser à autre chose. This time it didn't happen. I was very ça ne s'est pas produit cette fois. Hein. C'était tout dans l'inconscient parce que je me suis appliqué pour jouer radio, bien. Même pour la radio. Ça veut dire quoi, même pour la radio ? Quel média, la radio ? La radio est living. Non. Je me reprends, dit-il, surtout pour la radio. Merci. Et je sais que vous aimez bien ce studio. Vous étiez impressionné par le studio 105 quand vous êtes arrivé. I'm impressed by the professionalism of the people. Oui, je suis impressionné par le professionnalisme des gens qui m'ont accueilli ici. Went upstairs to see the engineers. Les techniciens. J'ai parlé avec les gens du son. You know, this is a pleasure for me. C'est un grand plaisir pour moi de jouer electronics and these things. Et moi, je travaille dans le domaine de l'électronique et je veux dire que j'ai rencontré ici à France Inter un très grand professionnalisme. Yes, chaque semaine on rend hommage à nos techniciens et nos preneurs de son. Ça nous fait vraiment plaisir. Alors, je sais que vous avez votre propre studio à Berlin et que vous avez même créé votre propre label A Records. Grâce à ça, vous sentez encore plus libre parce que j'ai l'impression que vous avez toujours été quelqu'un de libre dans votre démarche. I always worry materialism things in my life. I've always felt like this would go away. J'ai toujours peur de perdre des biens matériels. So si j'ai une belle maison, j'ai peur de la perdre, donc je ne suis jamais confiant, à vrai dire. I'm looking forward to working on soundtracks and working with j'ai other envie people. De travailler sur des bandes originales de films, travailler avec d'autres, et aujourd'hui you know, je me sens davantage prêt à relever des défis. You know, I feel mentally prepared and d'un point de vue mental, je me sens prêt, je me sens en bonne santé et d'attaque. On le sent comme ça et je sais que vous combattez depuis des années contre l'addiction à la drogue, à l'alcool et aujourd'hui vous êtes clean. Est-ce que vous avez une autre approche de la musique ? Est-ce que la musique est plus intense ? Est-ce que ça vous fait plus peur ? Comment sentez-vous, Anton Newcombe ? Well, the only thing that I would encourage other people to do is to confront their fears as they arise. J'encourage le monde à faire face aux peurs.
the fear of the unknown or la peur de l'inconnu, il faut savoir y faire face. Whatever they want to do, to set your mind to it, it's quel very que important. Soit votre objectif, il faut advice. Essayer de l'atteindre, avancer, surmonter vos peurs. We are our own worst enemy in life. Notre pire ennemi, c'est nous-mêmes, évidemment, dans la vie. As long as we live, you know, it's, tant it's que nous the one thing en vie, stop you is yourself, le seul obstacle, like. C'est vous-même. Alors, l'album, le nouvel album sort, The Brian Jonestown Massacre sort le 19 mai, chez vous, chez A Records, et puis distribué par nos amis de Déferrant. Vous allez faire une énorme tournée mondiale. Comment vous appréhendez, avant de retourner jouer, comment vous appréhendez cette tournée assez impressionnante avec, bien sûr, tout le groupe? Combien de membres de groupe maintenant sur scène? Oui, 8. On est 8. 8 personnes quand même. 4 guitares. Combien de guitares? How many guitars? 4, it's too many. 4, c'est trop d'ailleurs, c'est trop. Ouais, bon, on a hâte. You're excited, vous avez hâte de retrouver tout ça? I've mixed feelings, you know, I feel fortunate to be doing what I love. J'ai des sentiments ambivalents parce que j'ai beaucoup de chance, parce que j'aime you know, ce que j'en fais. Mais lorsque l'on parle des artistes, il y en a qui vous disent, ah oh, mais la musique c'est l'amour de ma vie, comme dans le passé. Pour moi, la musique, je la vois aussi à l'avenir. C'est l'amour de ma vie, mais je me projette dans l'avenir. Pour cette tournée, j'ai des sentiments ambivalents parce que je viens d'avoir un bébé, donc voilà. Chaque jour est un jour de joie avec ce bébé. Parce que... parce qu'ils sont si petits. Only a mother or father, a good mother or father would be able to describe. Il faudrait une maman ou un papa pour décrire la joie que l'on ressent. How much they love their children. Et l'amour que l'on peut porter à un bébé. And part of it, you know, maybe et love that you try to pass up even how your parents loved you, you know. Amour. It's like I want to love them more than. Cet amour, je voudrais qu'il soit encore plus grand que celui que m'ont prodigué mes parents. C'est l'expérience de ma vie. Ah, oh, je vous adore, I love you. Can I say that? I mean, excuse my husband's here, but I'll say it anyway. I love you. Juste pour la petite histoire, The Brian Jonestown Massacre vont faire beaucoup de dates au mois de mai en France, donc on est très 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 content. Bataclan à Paris, Lille, Caen, Brest, Nantes, La Rochelle, Nîmes, Besançon, Lyon. On est très content that you're coming back to play. And I'd like you to join Robert and play the last song, which is a song called Silver Dagger, which is a Joan Baez song that you play off. It's a traditional song. It's old, traditional song. And une chanson traditionnelle, mais vous jouez avec le Brian. I just think it's beautiful. Merci, Anton. Merci beaucoup. Some other sucker.
that you can be his wife. For I've been warned and I've decided to sleep alone all my life. Merci Nick Waterhouse, Mustang et Anton Newcombe d'être venus ce soir.